C'est vous qui décidez. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous en direct sur TF1. Vous le savez, les Nice People ne sont plus que quatre dans la villa. Catherine, l'allemande, Elder, le portugais, et Serena et Raimondo, les italiens. Et puis dans un peu plus de 2 semaines, l'un ou l'une d'entre eux gagnera jusqu'à 600 000 euros. Et puis vous le savez également, samedi soir, nous allons fêter la musique tous ensemble en direct de Nice. Puis regardez ces images. Comme vous le voyez, la scène est actuellement en pleine installation. Tout le monde est sur le pied de guerre car plus de 5000 personnes sont attendues sur place. De nombreux artistes se produiront devant vous, dont Eddie Mitchell, Florent Pagny, Jennifer Calogero, Julien Clerc, Ophélie Winter, Pascal Obispo ou encore Yannick Noah. Si vous désirez assister à cet événement, c'est très simple. Il vous suffit d'appeler Idil au 01 58 36 00 36. Cette semaine, il n'y a donc pas eu de nomination. Cependant, Mr. Nice a invité hier les Nice People à se livrer à un petit jeu de la vérité en dévoilant chacun leur tour aux autres qui ils auraient nominé et pourquoi. Alors, qui a voté pour qui au cours de cette première séance de nomination public, la réponse tout de suite en image. Ah là là, je veux pas que tu meurs de faim pendant que, pendant que je serai là. Et désolé, tu les aimes, désolé, tu vas manger. Tu vas voir, c'est très très bon. Regarde ce que c'est. Tiens, ils sont cuits d'ailleurs. Ça, c'est quoi? C'est des œufs, du lait. Ah, c'est du jatte. Oui. Du jatte, tout ça. Bien sûr, c'est du lait. Avec des œufs, du rhum, de la vanille, du sucre. Ça, c'est sucré. Oui, c'est un dessert. Ok. Ok, 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 boy. Ok, ok. Ouais, c'est cuit. Alors, regardez. Oh là là, waouh! Là! Oh là là! On allait survivre, les enfants. On va survivre, génial. On va survivre. Moi, je suis très content d'être venu là, je te jure. Hein. Et, ah non, non, mais parce qu'on voit. Ah non, mais c'est sûr. Hein. Nous aussi, on est très, très contente de vivre avec des jeunes comme ça. Bon, j'étais au milieu des jeunes chez nous, mais c'est pas pareil. Chacun dans son travail, tandis que là, on est toujours ensemble, c'est bien. C'est rigolo. Moi, j'aime beaucoup les jeunes, j'aime beaucoup. J'aime être au milieu des jeunes, j'aime bien les protéger, j'aime bien, je sais pas, c'est peut-être une mère poule, mais j'aime bien ça. Pour la première fois, la villa ne va pas connaître de nomination en cette journée de mercredi. Ah. Néanmoins, nous vous proposons de vous livrer un petit jeu de la vérité. Non. En dévoilant le nom de 2 personnes que vous auriez nominées, si vous aviez dû le faire, chacun à votre tour, vous devrez donner le nom des 2 personnes et expliquer. Mais non. Non, 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 non. On va pas faire ça. Mais écoute, mais pourquoi il doit nous mettre dans une situation psychologique comme vas-y, ça vas-y, vas-y, la suite. C'est fini. Chacun à votre tour, vous devrez donner le nom des 2 personnes. Expliquer en 3 minutes les raisons de votre choix. Soyez sincères, la vérité finit toujours par payer. Post-scriptum. Les nominations concernent les Nice People comme leurs invités. Tout le monde est obligé de s'y plier. Ah. Non, non, non. Mais ici, devant moi, tout le monde. J'ai nominé 2 personnes. Moi et Maïté, on s'en va. Voilà, exactement, je voulais dire. Moi, je propose une rébellion totale. Alors, ça y est. Justement, la seule fois où cette semaine, vous ne nous cassez pas les couilles, vous nous cassez les couilles quand même. Je t'énerve. Parce que le pire de la nomination, c'est pas la nomination, c'est le fait de la dire ou de la faire. Alors, moi, je vois pas la différence. Moi, je nomine Maïté parce qu'elle me fait manger le matin et je nomine Diana parce qu'elle me fait manger la nuit. Et moi, voilà, je mange trop. Je mange continuellement. Et voilà, et on est à jour. Ça y est, c'est fait. J'ai fait. Alors vous, qu'est-ce que vous nominez? Pareil oui, vous, pareil. Bon, très bien. Toi, c'est pareil. Moi, c'est pas parce que je deviens gros, parce que je l'étais vraiment avant. C'est parce que je vais souffrir énormément de ton absence après et donc il faut que tu partes le plus tôt possible. Quant à toi, j'en ai marre d'avoir tes fesses collées aux miennes. Moi, je me nomine parce que... T'as pas à te nominer, t'as qu'un couillon, va. Et après... Moi, je me nomine parce que je suis supérieur à tout le monde ici. Je suis quoi? Tu quoi? Supérieur. On le fait. Écoutez. On essaie d'être véritable. Si on fait pas en vencher. Au jour d'aujourd'hui, je nomine Serena et Elder parce que chez Catherine, je suis heureuse. Non, mais t'as pas demandé pourquoi on a compris. Minutes. 3 minutes. Et bien, qu'est-ce que je dis de plus de 3 minutes? Ah ouais, mais je peux ajouter que je ne voudrais pas nominer Elder parce que je n'ai jamais nominé, c'est mon pote depuis le départ. Et voilà.
Serena, quelquefois, on s'engueule, mais voilà, on s'aime tous beaucoup. On savait que ça aurait été difficile à 4, ça le sera encore plus à 3. Non, à 3, c'est peut-être fini. voilà, il n'y a pas le choix. Mais non, non, 3 minutes, il a pas fait. Mais quoi, 3 minutes, qu'est-ce que tu veux que je te raconte en 3 minutes? C'est difficile quand même. Mais je pense que je vais nominer. Bah, j'espère Raymond et moi. Oui, c'est une possibilité, franchement. C'est une possibilité. Et je suis pas sûre. Mais non, arrête de dire des conneries. Qu'est-ce que tu veux? Moi et Serena, tu vas pas nominer ton chéri? Je vais nominer Serena et Elder. Ah, voilà. D'accord, j'ai eu peur. Bah, moi, je vais nominer Catherine et Serena. Parce que pour l'instant, je me suis pas encore pris la tête vraiment avec Raimondo. J'espère que le dernier jour, ce sera comme ça. Parce que sinon, je vais le nominer. Et pourquoi? Parce que Serena, elle casse les couilles, oui, mais bon, ça, on a déjà l'habitude pendant 8 semaines. Mais elle va nous manquer si elle n'est plus là. Qui c'est qui va nous casser les couilles si moi, je ne suis pas là et elle n'est pas là? Comment vous allez faire? Je ne sais pas, je vais inventer une femme. Une femme, une folle. Elles vont nous en... Et parce que Catherine, elle est trop timide. Cette fois, je nomine finalement Raimondo. Pour une fois, bah ouais. Parce que je ne crois pas. Je crois que c'est. Que toutes les fois qu'il me dit, quand on se fâche, on discute, pourquoi tu ne me nomines pas, alors qu'après tu t'engueules avec moi, je pense qu'il n'a pas compris que moi je l'aime bien et que des fois dans la vie, même si on ne se nomine pas, parce que dans la vie ça n'existe pas la nomination, il y a des fois que quand on s'engueule et on se fâche, on a toujours le moyen pour se connaître, parce qu'à travers la confrontation, on se connaît, on a la possibilité de se connaître. Et la deuxième personne que je nomine, c'est Catherine, parce que c'est vrai que moi je la respecte, Catherine. Je comprends des choses d'elle, mais je comprends encore des autres choses d'elle. Et je pense qu'on n'a pas encore la possibilité de se confronter, de se regarder vraiment bien, de se connaître vraiment bien. C'était très important aujourd'hui de nominer vis-à-vis et de dire les choses qu'on ressent pour comprendre mieux comment on peut améliorer notre rapport, parce qu'on n'a que 2 semaines et demie, je pense, à peu près. Et on doit absolument, absolument essayer d'être très unis, très ensemble, très forts, parce que ce n'est pas évident pour les gens qui nous regardent, mais c'est très difficile psychologiquement l'air qu'on respire. J'aime beaucoup Serena parce qu'elle a du plomb dans la cervelle, quand même, tout en étant... Vous croyez qu'elle est un petit peu... mais ce n'est pas vrai. C'est elle qui résonne le plus. Non, c'est sûr, même. C'est elle qui résonne le plus, c'est elle qui parle le plus vrai, c'est elle qui réfléchit le plus. Et pour moi, elle a des qualités énormes. Et elle peut rentrer dans la vie parce que c'est... Moi, je trouve que c'est quelqu'un de très, très, très bien. Vous êtes des couillons, si vous ne l'avez pas remarqué. Bon, moi, je commence par Catherine. Ma chérie, comme m'a dit Serena, elle ne te connaît pas au bout de 52 semaines. Alors, imagine-moi 4 jours. Ah, 52... Oui. Serena ne te connaît pas au bout de 52 jours, alors moi, 4 jours, je t'explique pas. Je connais que tes cheveux, parce que c'est les seuls que j'ai pu toucher, et ta langue, parce que je l'ai embrassée, et donc... Ah oui, t'es pas au courant? Ouais, ta gueule à la brèche. Dis-moi, toi, tu veux que je te nomine? Fous pas la merde. Donc, je te connais pas beaucoup, et même si on se connaissait, je pense que ton caractère et le mien sont pas compatibles du tout, parce que je suis une fille folle, et speed, et toi, tu es très calme et zen. Donc ça, c'est la première. La deuxième nominée, ça sera Raimondo. Parce que j'en ai marre de prendre des mains au cul. Voilà. Je t'en ai jamais pris des mains au cul. C'est pas vrai, non. T'as jamais pris ma main au cul. Si. Ah, pas encore? Non, bah, jamais. Alors c'est quoi que j'ai senti? Elle est mignonne. Il lui faut un homme gentil, intelligent. Si son gentil, son intelligent. 3 ou 4 millions en un cœur. Il y a un petit peu... Il y a un petit peu d'argent et qu'il lui fasse bien. Mais c'est pas grave. Parce qu'elle est privée, la pauvre, ça alimente au cerveau. Et il lui manque que ça, c'est tout. Elle est gentille, elle est intelligente, elle est vaillante, elle est propre, elle est. Voilà. Elle est pas loin d'être sotte. Il faut qu'on arrive bien. Mais pas n'importe qui, hein, bon, il faut. Mais je veillerai au grain. Attention, parce qu'elle, après. Je veillerai au grain.
Message reçu, Maïté. Après cette parenthèse de vérité, Mr Nice annonce le thème du jour, la tentation. Et dans le rôle de la victime, Raimondo. L'Italien devra en effet, tout au long de la journée, résister aux multiples tentations qui s'offrent à lui. Inutile de dire que les autres nice people, et en particulier Diana, ne se gênent pas pour provoquer un Raimondo qui n'a jamais pourtant paru aussi zen. Regardez. Raimondo va devoir résister à la tentation de savourer les plats délicieux de Maïté. Ouh. En faisant un jeûne jusqu'au dîner de ce soir. Ça. Par ailleurs, c'est pas moi qui dois jeûner. Hein. Par ailleurs, un panier garni de délicieuses petites choses vous attend dans le cellier. Vous pourrez les déguster sans modération, sauf toi, bien sûr, Raimondo. Si tu parviens, tu remporteras 500 euros qui reviendront s'ajouter à votre cagnotte. Voilà. Eh, 500 euros 500. Eh. Non, non, toi, arrête arrête de manger, toi. Arrête de manger, toi. C'est joli. C'est joli. Oh, les cerises, amour. Oh là là, c'est génial, Julien. Quelle jolie. Oh. Oh là là, regarde, j'adore. J'adore. Oh là là. C'est parti. Et nos pâtes à feu de beurre, s'il te plaît, tu fais, là, tu lui fais un double challenge. Il mange pas et en plus, il peut pas voir. Et là, si tu vois ça, il dort un peu. Tu vois, c'est une humeur, ça, hein. Mais sors-le de la toilette. C'est rigolo. Allez, viens, mon nounou. Regarde. Je suis pas faim du tout. Ça me fait bander, ça me donne pas faim. J'ai la tentation, mais. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu dis? Je vous bois. Non, t'as pas moi. Qu'est-ce que tu dis? La couleur de la nuit. Mais c'est pas pour toi, c'est parce qu'il n'y a pas de psychologue. Il n'y a pas de psychologue pour femmes. Pour femmes qui ne savent pas résoudre leurs problèmes tout seuls. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve comment ça. Maïté, c'est le non. jeu. Non, t'es une humaine. Raimondo, sois fort. Salut. Quoi? C'est pas une tentation, c'est un calvaire quand tu t'assois comme ça, parce que tu t'assois mal. Tu es vraiment pas gentil avec moi. Bah oui, parce que toi, tu devrais pas faire ça. Tu devrais m'aider. Quoi? Devrait m'aider au lieu de me tenter. Mais quand ce sera toi ce soir, parce que quelqu'un aura un autre défi, je serai très méchant. Mais j'y arrive tout de suite, tout commence. Moi, j'y arrive. Ouais, il va être content. Hein. Il va être heureux. Mais bien sûr. Tu le pousses, tu le pousses. Il nous tue, hein. Tu sais qu'il nous tue. Là. Moi, j'arrive. Hein. 3 secondes et j'arrive. Commence. Il y a plein de guêpes. Quoi? Tu as dit quelque chose? Il y a plein de guêpes. Des guêpes? Mais c'est pas grave. Si, c'est grave. Je suis juste terrorisé. Madame, messieurs, je viens de vous présenter Diana. Non. Et là, elle se... Ah bon, c'est pour ça, d'accord. Et je pensais qu'elle allait me faire un striptease, un table piscine. Oh là là. Ah là là. Oh là là, mon si Dieu. Tu, mon si Dieu. Tu manges une cerise, je te montre un nichon. Je paye pas les femmes. Hein. Ah! Ah! C'est bon, hein. Allez! Bah, tiens, tout ça! Il bon. Putain, il va pas les bouffer, t'as. À la limite, ne pas manger, mais voir deux cerises au milieu d'une belle paire de seins, ça va, quoi. Et je répète, Diana n'a pas des seins quelconques, elle n'a surtout pas des fesses quelconques, donc à la limite, ça permet de mater, donc voilà, impunément, donc ça peut être rigolo. J'ai mangé trop. Les crêpes, j'en dis non, je ne peux pas.
Je suis trop grosse. J'ai les seins qui arrivent à les genoux. J'ai les seins qui arrivent à les genoux. Oh, j'ai la viande qui tombe à droite, à gauche. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je dois arrêter de manger. Mettez-moi à régime. Mettez-moi à régime. La journée tentation se poursuit par l'épreuve dite des délices défendus. Raimondo a promis de tenir son pari et de rester à jeun, mais parviendra-t-il à résister au spectacle qui s'offre à lui? Rien n'est moins sûr. Dans la soirée, grosse surprise pour nos amis, deux nouvelles nice pipolettes font leur entrée dans la villa. C'est étrange, je suis persuadée de les avoir déjà vues quelque part. Chers nice people, nous vous proposons de continuer cet après-midi en goûtant aux délices défendus de la villa. Oh, un panier contenant diverses gâteries, chantilly, chocolat, fondue, confiserie vous attend dans le cellier. Encore ? Je meurs ! Chacun, va voir, c'est pas Brandon. Chacun à votre tour, vous devrez choisir la personne du sexe opposé de votre choix afin de déguster sur son corps une ou plusieurs sucreries. Ouh ! J'ai ouvert ma gueule encore une fois. Ben, moi, je refuse. Là, attends, j'ai pas fini. Attends. Ben, la personne sur laquelle vous vous délecterez de votre sucrerie choisira la partie insolite de son corps sur laquelle la placer. Eh ben, allonge-toi. Moi ? En attendant Catherine. Dépêche-toi, elle n'est pas là. Enlève le micro. Enlève le micro. Allez, mais allonge-toi. Non. Mais oui. Mais non, il va le faire. Mais oui. Tu veux un coussin derrière la tête ? Tu veux un coussin derrière la tête ? Non, non, non. Attends. Putain. Et c'est la seule. Non, Voyons. Mais soyez correct, s'il vous plaît, mesdames. T'as pris une douche, toi ? Non. Oh là avec là. Serena. Mais pourquoi ? Avec Serena. Ben oui, allez. Alors, je peux choisir ? Non, c'est toi qui te choisis. C'est moi qui choisis. Oh la vache. Mais c'est laquelle, ça ? Ta gueule. Serena, tu manges ? Excusez-moi, hein, Catherine, c'est elle qui a choisi, c'est pas moi. Mais non. Ça m'avait chumé, elle est bleu tout blanc là-bas. Oh là là, je sais. Bon, moi je me mets au bout pour compter les poires. Allez, dis rien. Oh là dis là. Rien. Oh là dis là. Rien. Allez, bon appétit. Oh, dans la salle, non, dans la salle, non! Dans la salle, non! Elle est nulle, je ne sais même pas faire ça. Je suis même pas capable de lécher un téton. Ah, ça, par contre, il est déjà avec un. Ah, voilà. Je suis même pas capable de lécher un téton, elle en fout partout. Oh, mon rien là-bas, elle! Mon rien du tout, là. Et c'est le coup de langue qu'elle a, merde, ça va. Mais tais-toi, toi! T'as allé dans le dentiste? Mais tais-toi! Yes! T'es le marge. Elle a chaud. Attends, elle n'est pas bien rentrée. Ah, bien, merci. On ne peut pas l'écœurer comme ça, ta mère d'envie. Arrête, je suis pas vraiment... Ta gueule. Oh, j'en ai pas, j'ai donné un coup de... Oh, merde de pas, ça va tuer. Je ne me fais pas pour les citations, je me fais pour les coups que tu me donnes. Tu ne te touches pas avec les mains. Je me donne un coup, la vache. Tu ne te touches pas avec les mains. Je suis épanouie. Tu ne touches pas avec les mains. Je ne touche pas avec les mains. Tu touches. Tu touches pas. Tu touches avec les mains, je t'ai vu. Allez. Cochon, là, la gare. Sus tes tétons, sus, sus. Allez. T'as mal au dos ou quoi? Reste, toi. T'as mal au dos? Je pense que t'as offert une bague à ta copine. Ouais, ça me mais ta gueule! Mais tais-toi, toi! Non, ça me dégoûte. Bon, alors, je voulais pas le faire parce que, en respect à ma copine, même si j'étais célibataire, j'avais aucune envie de le faire parce que les choses soient claires, me plaît pas du tout. T'as l'air tendu, là! Ça va, t'as l'air tendu. J'ai fait confiance, hein! Tu ressens cet instinct animal qui... Oh là là hein C'est pour un gars qui... Maïté, vas-y Hey, Maïté, si t'as pas envie, là, moi j'y vais. Allez, Maïté, allez. Allez, allez. Ouais. Ah, Maïté, c'est incroyable. Alors là... Attends, j'aime bien. Elle va te bouffer la caca, tu vas pas comprendre. C'est très très bon. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, mais t'es bien, viens. Oh. Attention. C'est incroyable qu'elle ait fait ça, le sourire à la bouche, c'est le cas de le dire. Je pense qu'Elder était plus jeune que Maïté.
Et je pense que c'est un grand moment de bonheur parce que c'est quelqu'un de 65 ans qui s'amuse comme ceux de 25. Elder, il fait mourir. Elder, il a toujours peur pour sa copine. Mais oui. Il me fait mourir. L'armeur d'Harvey, mais il a peur. L'armeur d'Harvey, mais il a peur. Ah oui, c'est ce que je dis. Il faut jouer ici, alors. Il faut, ouais. Il faut jouer à le jeu. Ouais. Bon. Il faut jouer à le jeu. Ouais. Sinon, ça ne m'amuse pas. Tu ne bouges pas. Non, surtout, tu ne bouges pas. Avec, surtout, tu ne bouges pas. Alors, attends. Je fais le saut du dauphin. Le saut du dauphin consiste à, d'ici le haut, passer au-dessus de toi. Non, je rigole. Non, t'inquiète, je le fais tout le temps. Faire quoi? Je passe comme ça. Surtout, mais tu bouges pas les mains, c'est bon, voilà, tu te coupes les couilles et tu bouges pas. T'élargis pas, tu n'élargis pas les mains. T'aimerais jamais, t'es con, quoi. Est-ce que Raymond Dossé était dans le bain avec elle? Non. J'adore. Et demain, on prend la douche avec tous les garçons dans la douche. Il n'y a pas de goût à prendre une douche avec les garçons. Mais si, on va leur foutre des savons dans les yeux, comme ça, ils vont crier. Et après, quand ils essuient... Attends, tu sais ce qu'on fait? Après, pendant qu'ils font... Ah, nous, on se sauve. Ils vont croire qu'on est dans la douche, ils vont vouloir essayer de faire, mais non, ça peut là. Ah, là, maintenant, tu prends la douche? Bah, on voit rien. Ah non, tu n'enlèves pas ton short? Si, si. Oh, mais quel con, hein. C'est comme si tu étais dans le bain et que moi, je me mets une douche à poil et tu me dis, regarde... Et il le fait, en plus, il le fait, j'y crois pas. Et il est vraiment fou. Faut juste pas regarder. Ah non, mais moi, je peux pas regarder. Ça me fait rire, elle a les jambes tout blancs à moitié. Mais moi, j'ai déjà vu son petit zizi depuis 6 mois. C'est comme mon frère, lui, maintenant. Allez, vous pouvez me ramener mon paiement, sinon je sors tout nu, hein. Eh ben, tu sors tout nu. Sors tout nu. On ferme les yeux. J'adore. La caméra, regarde. La caméra, regarde, oh, quelle belle j'hallucine. C'est le tien, c'est... J'hallucine devant la caméra, devant les millions de spectateurs. L'heure du dîner approche, Ringo, ton défi est réussi. Merci. Bravo, c'est bien. Ça a été dur de gérer, de ne pas manger avec des morceaux de cerises, de jambon qui me dandinaient devant les yeux. Ça c'était plutôt compliqué. Mais à part à la fin où j'avais vraiment faim, je n'ai pas été saisi par un grand appétit. Donc tout compte fait, j'ai eu pas mal de chance et donc ça s'est plutôt bien passé. C'est exquis. C'est bon, présente, monsieur, les tomates c'est bon. Aussi. On mangera les rillettes après, c'est aussi d'importance. C'est hyper. Oui, ouvre votre côté. De l'autre côté. Tu remets la boîte et tu ouvres votre côté. Chers Nice People, ce soir, nous vous proposons de ne pas résister à la tentation de changer de sexe pour une soirée. Ouh, merci Dieu. Mais toi aussi, tu deviens un mec. Oui. Ah, okay. C'est Diana qui va prendre les choses en main en relouquant chaque habitant de la villa en une personne du sexe opposé. Ah, c'est bon, ça. J'adore. Faites preuve d'originalité et d'humour, mais ouvrez bien l'œil afin de ne pas avoir de mauvaises surprises. Bon, soir, d'abord, il faut des perruques. Vous pouvez rester un peu. Il fait le quoi? Soldat, disco. Il a pas besoin, il a des cheveux longs. Mais on vient tous dans la chambre, toi, alors. Une nana, quoi. Ah, je vais mettre son pantalon. Si, c'est mignon. Moi aussi. Le dernier, il nous fait la gueule. Pourquoi? Tu penses? Il a dit on peut se servir ici. Moi, je prends les jeans... Ça, c'est, par contre, c'est de Mickey, celle-là, mais je sais pas. C'est Mickey. Mickey, c'est l'éliminé. Mais arrêtez de regarder. Attends, où sont les jeans, celle-là? Blanche. Ah non, mais lui, il a vraiment une tête de travelot. Qui? Toi. Qui d'autre? Rital? C'est obligé, super belle comme ça. Oui. Waouh. C'est énorme. Ça, c'est à moi, par contre. D'accord, qu'est-ce qui se passe? La cravate. Ah donc je suis plus gros que toi? Oui. Non. J'ai des cuisses plus grosses que toi là. Ouais. J'adore ce coffre. Non, moi je veux pas le verrouiller. Arrête! T'es obligé. Non, j'ai trop chaud. T'es obligé. J'ai trop chaud, je te dis. Mais je vais d'abord finir à maquiller. D'accord. Bah attends, si tu veux pas la verrouiller, c'est pas la peine de te déguiser. Hein. Arrête de faire ça. T'as les ovaires qui tournent, hein? Ah, je déteste cette fille. Ils sont pas du tout à l'aise. Non seulement je ne suis pas fait pour ça, heureusement, et ça ne me va pas du tout, je ne suis pas du tout sensuel, dans des choses comme ça.
Qu'est-ce qu'il y a? Mais... Qu'est-ce que t'as ici? Ouh! Hey, hey, pas c'est touche! C'est quoi ce qu'il y a? Pas oh, touche! Attends, attends! Attention! Tiens, tiens, tiens! Sur la cravate, hein. Ok. Elle est vraie, là? Non. T'as vu la bouche que j'ai? Ouais, là. Tu trompes? Ouais. Bon. Tu trompes pas? Si. Allez. Merci, oui. Ah, allô? Chérie? Est-ce que tu vois? Regarde-lui avec elle! Non, t'as pas le droit de faire le mec, tu marches en fille. Mais je sais pas, je suis bien nue là. C'est hyper chiant d'être une femme, quoi. Se maquiller, se démaquiller. C'est ces chaussures qui sont infernales, qui me font un mal chien. Donc voilà. Mais c'est sympa, hein. Je me trouve plutôt mignonne. Non? Tu me fais peur comme ça. Tu me fais peur? Toi aussi, t'as l'air d'un petit garçon là. Petit coquin. Je me fais bien. Tais-toi, hein. Toi, dehors, là, tu me parles, femme. Pas comme ça. C'est qui la femme? C'est toi la femme. N'oublie jamais. On ne s'y retrouve plus. Allez, si vous voulez jouer avec nous au Nice Quiz, gagner une soirée exceptionnelle à Nice sur notre plateau avec l'accès aux coulisses de l'émission, l'avion, la limousine et la nuit dans un grand hôtel. Voici la question du jour à laquelle il faut répondre correctement. Quel Nice People doit jeûner toute la journée? Téléphonez au 3280 ou jouez par SMS en tapant Nice et envoyez-le au 72 500. Une soirée sans larmes dans la villa n'est pas une vraie soirée depuis quelques temps. Et vous verrez dans quelques instants qu'après Serena et Diana, c'est au tour de Catherine de prendre le relais. Bien évidemment, nous sommes en direct, donc on ne bouge pas et on vous attend. A tout de suite, merci. Merci d'être avec nous de retour en direct pour la suite de Nice People. Si vous voulez jouer avec nous, gagner une soirée de rêve à Nice sur notre plateau, je vous rappelle la question. Quel Nice People doit jeûner toute la journée? Téléphonez au 3280 ou jouez par SMS en tapant Nice au 72 500. La soirée donne enfin l'occasion aux filles de la villa de faire comprendre aux garçons ce qu'elles endurent au quotidien. Et si Catherine prend un malin plaisir à inverser les rôles avec Raymonda, la jeune Allemande est vite victime à son tour, après Serena et Diana les jours précédents, d'un coup de blues. Pas de sentiment de solitude pour elle, mais tout de même quelques remords. Regardez. Les mains. Non. C'est ce que tu es pudique. Non. Tu insistes. T'es très belle. Alors, j'adore faire merci. Femme. Tu dis j'adore ça parce que tu veux m'amener au lit. Les sushis. Non, c'est toi. Tu veux coucher avec moi? Oui. Ah, comme ça, je pensais que tu m'aimais. Quoi? Non, franchement, tu es très belle. Ouais, oui. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Quoi? Ça va? Non, ça va pas. Si. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Pourquoi tu pleures? Non. Dis-moi. Hein? Tais-toi. Tu veux même pas savoir. Non? Parce que tu trouves que je suis trop belle en femme? Non, ça n'a rien à voir avec toi. Vas-y, dis-moi. Dis-moi, bébé. Non? Pourquoi je veux pas savoir? Ça me regarde? Non, dis-moi, s'il te plaît. Très belle. Hein? Très belle. Il manquait plus que ça, maintenant. Il manquait plus que je sois belle en femme. J'ai juste pensé à mes amis en Allemagne et aussi à mon ex-petit copain, parce que c'était une chanson qu'il aimait bien. Et je me sentais un peu mal parce que... Maintenant, je suis très heureuse ici, mais j'ai pas pu lui expliquer tout ce qui s'est passé ici. Et je suis vraiment désolée de l'avoir blessée, parce que je pense que je l'ai vraiment blessée. Je suis vraiment désolée. Je peux rien pour mes sentiments. Je suis très heureuse maintenant, mais quand même, j'ai jamais dans ma vie j'ai eu l'intention de le blesser. Et voilà. C'était ça. Thank you.
C'était très élégant, on aurait dit d'être dans un restaurant arabe ou dans un de ces spectacles à Marrakech. C'était très sensuel, pas du tout vulgaire, elle était très très élégante, très belle robe. Et je vous rappelle que samedi soir, nous fêterons la musique tous ensemble en direct de Nice avec une pléiade d'artistes parmi lesquels Pascal Obispo, Yannick Noah, Jean-Pascal, Florent Pagny, Jennifer Calogero, Julien Clerc, Ophélie Winter ou encore Eddie Mitchell. Vous êtes bien évidemment invités, il vous suffit tout juste de contacter Idil au 01 58 36 00 36. On se quitte avec les images de la villa et la musique de la villa, vous allez entendre. L'Italie et ses spécialités sont à l'honneur aujourd'hui et nos pizzaiolos d'un jour doivent faire face à un client exigeant. En la personne de Mr Nice. Très bonne soirée sur TF1. À demain, bye bye. Vous avez cramé. Mais ça va, il y en a d'autres. Vous avez mis la margherita alors. Mr Nice desidera in due minuti tre grandi regine. Oh la vache. Tre grandi regine. Andiamo ragazzi. Bien joué. Allez, fais la pâte. Thomas, Tantal. Vas-y, commence. Thomas, Tantal. Regina, c'est quoi? Où est la recette? Tomate, Cantal, jambon, champignons. Pizza. Allez, il y a 3 minutes. Hein. C'est 2 bon. Minutes, on a 2 minutes, on a 1 minute. C'est bon, commencez pas à m'énerver. Je suis. Faut que soit bien on a 2 minutes. Arrête, Diana, tu vas te prendre le bâton, s'il te plaît. Oui, alors on a 2 minutes. Voilà.